Et bonjour à toutes et à tous, c'est Rider78 Crew. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Comme vous voyez, je suis sur mon téléphone. Donc, pour l'instant, on va pas faire des jeux. Pour cette vidéo, on va regarder les plus gros crashs au monde. Enfin, pas au monde, mais des crashs réellement violents. Donc, c'est parti. Bon, pendant la vidéo, je vais pas trop parler pour que vous pouvez entendre le son. Attendez, par contre, je me suis gouré, ce n'est pas cette vidéo. Il y a ça dedans, vous en faites pas. C'est... Tac, attendez, désolé. Voilà, celle-là. Vidéo crash, belle voiture. Donc c'est des crashs assez violents. Les voitures sont très belles et après elles deviennent toutes moches. Donc voilà un super car. Je vais monter un peu le son pour que vous entendiez. Donc on commence avec une Bugatti Veyron. Oh. Comme le gars dit, oh shit, elle est dans l'eau. Waouh. Chevrolet Corvette. Oh ça c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je parie qu'il va faire un burn. Ok. Oh non, le capot va prendre feu. Enfin, pas le capot, mais le moteur. C'est quoi? C'est un pot d'échappement? Je sais pas du tout ce que c'est, les gars. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'intérieur, elle est cassée. Parce que vu toute la fumée qui sort. Hein... Donc, ça, c'était pas vraiment un accident, hein, les gars. Donc, voilà, là, je crois que c'est une. Ferrari, si je ne dis pas de bêtises, la qualité n'est vraiment pas bonne. Ouf, ouf. Oh, la Lamborghini, ça, c'est magnifique ces Lambos. Je parie, elle va burner. Ouais, elle va accélérer trop fort, elle va aller sur le côté, ça j'en suis sûr. C'est pas vraiment un accident, hein. Oh là 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 là. S'il y a les policiers, vous savez, ça vous enlève 2 points de permis et une amende. Il y en a, ils vont me dire non, non, c'est juste une amende, mais je vous le jure, c'est vraiment 2 points de permis maintenant. La loi, ils ont décidé ça. Chevrolet Corvette. Ah, on retrouve la Chevrolet Corvette. Oula, désolé. Oh, oh, attendez, non. Regardez. Attendez. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a drifté et elle s'est pris un arbre. Regardez bien, les gars, attendez. Regardez, elle accélère fort. Vous avez vu? Sur le côté gauche de la voiture, ça a pété la porte et l'arrière.
Dommage qu'on la voit pas de plus près. Dodge Ram SRT. Ouf. Oh non. Ne tourne pas. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, le mec, il a fait un tonneau et il est rentré dans un arbre. Oh, le capot, il est mort, ça, je peux vous le dire. Oh putain. C'était violent. On peut pas voir bien l'état du véhicule, mais vu le bruit, ça vaut à peu près 5 000 en réparation. Oh là là. Oh non, ne fais pas ça. Oh putain. Bon, encore ça va, elle a atterri dans la terre. Mais s'il y avait un arbre, là, elle serait cuite. Oh là là là, oh là là. Ouh, le gars qui était là-bas, je sais pas si vous l'avez vu, mais il a eu chaud, hein, ça l'a frôlé. Murcielago, oh ça c'est trop beau. Désolé si je prononce pas très bien. Oh là là. Oh, le capot, il est dégomme, les gars. On voit pas bien, mais moi je vois un peu, mais le capot, il est dégomme. Le truc, y a plus rien. Ferrari Trapède. Là là, lui va faire un burn. Ouais, stylé celle-là. Hein. Les gars, désolé si la qualité n'est pas bien. Ouh là là. Donc je disais, si la qualité n'est pas bien, c'est pas de ma faute, enfin c'est pas moi, c'est ceux qui filment. Hein. Là par exemple, la qualité est bien parce que le mec, c'est ça doit être une GoPro. Oula. Ou encore ça va. Il a pas rentré dans une bagnole, il a eu de la chance. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça a bugué. C'est pas moi qui a bugué, hein, moi ma vidéo elle continue. On va en passer, hein. Oula. Les gars, je crois que ça a réellement bugué. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Vous aurez pu voir cette vidéo en entière, malheureusement. Et pour terminer, moi, je dirais de regarder. Pas ça, mais ça, regardez. La vidéo d'avant que j'avais mis ça. Juste, non, c'est pas celle-là, désolé. Autant pour moi, les gars, désolé si je me trompe, mais je connais pas encore toutes les touches de mon téléphone. Oui, c'est un nouveau. C'est pour ça que je peux filmer maintenant mon écran. Donc voilà, c'est pour finir, on va terminer avec des crashs vraiment bidons. Des gens qui tournent comme ça, sans arrêt. Il regarde même pas. Donc voilà, regardez. Comme on peut voir, le mec, on ne sait pas pourquoi, mais il était là-bas où il y a le camion jaune. Et il a tourné ici. Ce qui a fait un énorme crash. Et il y a les airbags qui se sont déclenchés au volant sur les côtés. C'est pour ça qu'on voit du tout. Il y a de la sacrée casse, hein, j'ai envie de dire. Bon, là ce serait. Ouais, bah en fait, c'est que la même vidéo. Donc voilà, crash bidon, comme je vous l'avais dit. Et violent, le mec était là-bas. Il arrive à plein de balles, on sait pas pourquoi. Et boum, il rentre dans la voiture. Donc la prochaine fois, on regardera sûrement là le camion avec un gros truc dedans. Ou crash dans des circuits. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et moi, je vous dis, allez, salut, à la prochaine.